Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Folies Bergères pour la troisième de Double Jeu. Je voudrais vous remercier de votre fidélité. L'émission marche bien, on est content. Et contrairement aux usages de la profession, Jean-Pierre Ducéo, le directeur des programmes d'Antenne 2, n'a pas attendu les résultats de l'Audimat pour nous dire que ça lui plaisait. L'émission marche vraiment bien. Et vu ce qu'il y a en face, c'est vraiment pas dur. Hein. Bah effectivement. Je voudrais remercier TF1 d'avoir gardé Nicolas Hulot en Guyane et de diffuser en ce moment une série américaine qui est vraiment très très bien pour nous. Je voudrais remercier Canal+, de ne pas encore nous avoir mis les nuls en face. Je voudrais remercier la 3 de diffuser la 7. Je voudrais remercier la 5 de nous avoir épargné leur fameux grain de folie. Et la 6 d'être tout simplement la 6. Merci la 6 pour jouer avec nous ce soir. J'ai invité deux grandes stars de la variété française. Tout d'abord, la libertine du top 50. Grâce à ses clips sexy, elle restera cataloguée dans les annales. Mylène Farmer. C'est vrai qu'elle est bonne. Hein. Face à elle, David Hallyday, il a hérité du talent de ses parents. Ça, c'est pas de pauvre. Et il a arrêté de consoler sa belle-mère pour venir jouer avec nous ce soir. Merci, David. Bonsoir. Alors, Mylène, tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Professeur de danse. Professeur de danse. Et c'est, tu vis toujours avec des singes? Oui, des gibbons, des orang-outans, un peu de tout. Ouais. C'est une vraie planète. Et tu chantais que t'étais une catin, c'est pour de vrai? C'est subjectif. Ah, c'est subjectif. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis coiffeur. T'es coiffeur pour homme ou pour dame? Un mixte. Je fais les deux. Comment va Adeline? Elle va très bien, je crois. Très bien. Oui, un peu nerveuse, enfin. Ça. Et toutes ces belles-mères à consoler, c'est pas chiant la fin, non? Non, non, elles sont très très belles, donc. Elles sont jolies, oui. Alors, il n'y a pas si longtemps, les flics l'arrêtaient pour délit de sale gueule. Aujourd'hui, les keufs lui demandent des photos dédicacées. Voici Smaïn. T'arrives, toi? Oh là là, bien, t'es bon comme ça, hein? Eh bien, Smaïn, bah qui t'a mis un coup de boule? Arrête, c'est difficile de rentrer chez toi, là. Il m'a mis un coup de tête, alors que j'ai fait un coup de boule aussi, faut pas déconner, non? Alors, il y a des questions? Dis-moi, m'excuse comme ça, mais t'es français, toi? Français, moi? Bien sûr que je suis français. Excuse, je voudrais pas rentrer dans ton intimité, mais date et lieu de naissance. 3 janvier 58, Constantine. Ah, si loin? Bon, et ton poids? Poids? Avant 60, maintenant 68. Non! Tu vois, le genre, business, ça rapporte, hein? Oh bah. Et la taille? 1m74. Ah ouais. Et il est tard quand même. Et ta bite? La bite? Dans le marais. Tes cheveux? Sont de quelle couleur tes cheveux? Cheveux bruns, pas français. Et les yeux? Les yeux marrons. Beau, hein? Et les dents? Blanches, les miennes. Alouette, alouette. Tu as des signes particuliers? Signes particuliers, sexe énorme. Oh, prétentieux. Et tu as des allergies? Ou la connerie humaine? En ce moment, elle vole bas. Hein. Dis-moi, est-ce que tu as des maladies chroniques? Ouais, les bains douches. Ah, d'accord. Et quelques petits grains de beauté par-ci par-là? Ou? Oui, un sur la fesse droite. Ah! Des cicatrices? Oui, si tu remarques. Je peux regarder la télé là? Tiens, rien. Il y a un petit là. J'ai vu ce que c'est. La varicelle, je crois. Je ne sais pas si ça va intéresser les téléspectateurs, je sais pas, mais tu es droitier ou gaucher? Je suis droitier. Bon. Nous allons encore rentrer dans une question difficile que je vais te poser, mais j'espère que tu vas me répondre vraiment avec franchise. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, tu sais, bon, tu commences à être connu maintenant, et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu fumes des pétards? Voilà, je lâche le mot. Alors ouais. Allez, je me jette à l'eau. Est-ce que tu baisses sans capote? Hein? Je mets plus de capote parce que je ne baisse plus. Pas beau ça? Est-ce que tu es marié? Oui, c'est pour ça que je... Attends, mari ou concubin? À vous, à vous. Je suis concubin.
Fréquence coïtale. Ça veut dire quoi, fréquence? Ça veut dire quoi, ce que tu as dit? J'ai rien compris. Combien de fois tu... Ah, ça? Ça regarde personne, ça regarde que moi et ma... Date du premier rapport sexuel. Mais vraiment précis. 18 ans, et c'est une très très belle aventure. C'était dans une chambre près de Paris, avec une jeune fille qui était très très belle. Et je rentre dans l'intimité. Oui. Pour sortir avec elle, je lui ai fait croire que j'étais le fils d'Henri Salvador. C'est marrant parce que je croyais que tu te faisais passer pour le fils d'El Kanache. Ah oui, non, mais attends, j'ai tout fait, tu sais. Tu nous as tout fait, quoi. Un gros menteur, un gros menteur. Mais là, j'avais assuré que j'étais le fils d'Henri Salvador et là, j'ai très très bien assuré. Est-ce que tu as déjà eu recours à des prostituées? Absolument pas. À des putes? Bon, tu sais, en ce moment, les maladies. Et puis, moi, je paye pas. Est-ce que tu as eu des expériences homosexuelles? Quand j'étais petit, touche pipi. Bon, touche pipi, ouais, c'est ça, expérience homosexuelle. Donc, moi, t'as quéquette, t'as un carambar, ouais. Ouais, j'ai eu des expériences homosexuelles, c'est ça. Mais me faire à tasmot, non, jamais, là. Est-ce que tu as déjà baisé en regardant un jeu à la télé? Avoue, franchement, dis-le. Baiser en regardant un jeu? Non, j'éteins toujours la télé. Ah non, non, tu rigoles, non, je peux pas faire l'amour en regardant la télévision, faut choisir, quoi. Salut David. Salut. 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 Alors toi, ton boulot, c'est comique, quoi. Oh, arrête de dire ça, c'est vrai. Bah ouais. Oh, pas comique. Non, parce que comique, tout de suite, on a l'impression que... Bah fais-moi rire. Bah, voilà, c'est ça. Bah fais-moi rire. Bah voilà, c'est bah, ça. Bah voilà, t'es un comique, bah non, bah justement. Bah allez, fais-moi rire, je t'en regarde. Non, hein? Je fais le sérieux, là. Non, non, non. De quoi? Tu veux que je fasse marrer? Ouais. Non, non. Non, 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 ça sert à rien. Ça coûte trop cher, maintenant. Mais tu vois que ça marche. Ah, tu sais que t'es quand même l'invité idéal de Double Jeu. Oui. Parce que t'as... Moitié français, moitié arabe. Et voilà, ça. C'est génial. Ouais. T'es vraiment le client type pour nous. Tout à fait. Ça tombe très très bien. Alors, on est comme à la télé, là. On fait comme à la télé. En direct. Hein, on pense pas aux caméras. Ouais, on pense pas aux caméras. On va faire un peu de promo puisqu'on est à la télé. Vas-y, c'est bon. Allez, allons-y, là. C'est quand le Théâtre de Paris? 1er octobre. Ah, jusqu'à quand? Jusqu'au 31 mars. Oh. Et puis après, si ça marche bien, prolongement jusqu'au mois de juin. Alors après, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber les boîtes de nuit, la vie d'artiste? Non, peut-être un film, quoi. Ah bon? On va proposer un film et puis le repos un peu. Ah bon? Je vais arrêter. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Mes premiers adios musicaux, je vais faire. Ah bon? Ouais, ouais. Longtemps, pas attendu longtemps. Qu'est-ce que tu vas nous faire, un bébé? Peut-être, ouais, qui sait. Oh, on espère. On pense à ces choses-là. Tu penses? Bien sûr. Toi, il y a une femme dans ta vie, non? Bah, et toi, t'as pas une femme dans ta vie? J'en ai trois. Qui n'a pas de femme dans sa vie? Tu connais Stéphanie de Monaco? Oh, bah, tu parles. C'est pas elle la femme de ta vie? Ah non, non, je l'ai croisée un jour au bain. Ouais. Effectivement, elle est assez mignonne, mais bon, tu sais, le problème, c'est qu'il faut lui demander la main. Ouais. Non, ça marche, ça, ouais, voilà, ouais. Ça, bah, ça puis, tu vois, ma difficile. Condition sociale, c'est pas évident, quoi. T'y crois pas? Ah non, j'y crois pas. T'y crois pas du tout? C'est eux qui croient pas, plutôt. Mais tu sais qu'elle, enfin, sa famille viendrait de Constantine, comme toi. Ah, tu crois? Ouais. Ah, mais il y a quelque chose à faire, alors. Bon, on va voir. Ah, on attaque. Ouf, le 26 juin 1989, le prince régné de Monaco fêtait ses 40 ans de règne. Ouf, car ce sont 40 années sauvées in extremis pour perpétuer le nom des Grimaldi, vieux de 700 ans. Une prolongation qu'ils doivent tous, écoutez bien, à une vulgaire lingère de Constantine. L'histoire se passe en 1890 en Algérie. Louis II, le grand-père de Régnier, y est officier. La blanchisseuse de la caserne lui plaît beaucoup. Une petite fille, Charlotte, naîtra de ce béguin. Fait banal, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1918, on a signé un traité entre Monaco et la France. La France reconnaissait la souveraineté de Monaco et exigeait par une clause dynastique à ce que si jamais le trône restait vacant, eh bien la principauté passait, devenait protectorat français, administré par les Alpes-Maritimes. Or, en 1920, la lignée des Grimaldi n'avait plus d'héritier pour garder son rocher. À 50 ans, Louis II avait oublié de se marier. Tant pis, la fille de la lingère ferait l'affaire. Et on l'a mariée, on a arrangé un mariage avec le descendant d'une des plus illustres familles françaises, les Polignac, et Pierre, comte de Polignac, a épousé en 1920 la petite princesse Charlotte. Charlotte sauvait ainsi la principauté. De tempérament excentrique, volcanique, mal à l'aise sur le rocher, Charlotte se montrera pourtant bonne fille. En mai 1944, elle abdiquera de ses droits au trône en faveur de l'un de ses deux enfants, Régnier. Le feuilleton des Grimaldi pouvait continuer. Aujourd'hui, le traité de 1918 est toujours en vigueur, mais une question se pose, Albert aura-t-il des enfants ou faudra-t-il trouver d'autres héritiers? Pas très loin, cette fois-ci. Alors, les Grimaldi descendent-ils d'une lingère de Constantine? D'abord, je vais demander à Smaïn à l'oreille. Ouais.
Alors, pour vous laisser le temps de réfléchir à tous les deux, et pour laisser aux gens le temps de jouer chez eux et de s'engueuler, on va regarder Alain Chamfort. Des fleurs, ce ne sera pas moi. Si une petite musique te rend romantique, ce ne sera pas moi. Mais si les nuages recouvrent le soleil et qu'un vent froid vient te souffler des aurores à l'oreille, ce sera moi. Seul si quelqu'un te tend la main, ce ne sera pas moi. Si ton téléphone dans la nuit enfin sonne, ce ne sera pas moi. Mais si un mauvais rêve te réveille, rempli d'effroi, ce démon qui brisera son sommeil, ce sera moi. Comme du chloroforme, ne nous endorme. Lorsque sur ta route surgira le doute, ce sera moi. Le bon camarade, ce ne sera pas moi. Si tu es malade, le garde malade, ce ne sera pas moi. Mais si sur ton sourire se pose une ombre, sache déjà que la seule cause de tes humeurs sombres, ce sera moi. Merci. T'as du mal à sourire quand tu chantes, là? Ouais. Ça te demande un effort? Plus en télé qu'en scène. Mmh. Parce que c'est vrai que la télévision, c'est pas un élément dans lequel je me sens particulièrement à l'aise, quoi. Mmh. Et parce que par le manque d'habitude, peut-être, mmh. hein. Que j'ai pas peut-être non plus envie de rentrer totalement dedans, je sais ouais. pas, mais il y a une espèce de retenue qui fait que je... Adresser les sourires à la caméra, c'est un peu, ouais. un peu étrange. Quoi. C'est un métier. C'est un métier. Dis-moi, les belles, la mélodie. T'arrêtes pas de faire des belles mélodies. Hein. T'es fort quand même, non? Je suis fort. Ouais. Je suis musicien, quoi, principalement, donc il faut bien que je fasse remarquer d'une manière ou d'une autre. Mais t'avais fait un album qui s'appelait Double Vie en 88. Oui. Celui-là s'appelle Trouble. T'es quand même le client idéal pour Double Jeu, non? Oui. C'est quoi le double jeu dans ta vie, toi? Tu vis ça comment? Parce que je crois que ça se mêle de plus en plus, quoi. Mmh. Mais j'ai toujours essayé, malgré tout, d'avoir une représentation du chanteur, quoi. Mmh. Et de savoir faire la part des choses entre ce que racontait le chanteur, ce qu'il évoquait, etc. Et puis le la vie moi, quoi. Voilà. Privé, quoi. Voilà, exactement. Tu vis comme un cadre supérieur, en fait. Ça dépend des périodes, oui. Ouais. En ce moment, c'est calme? En ce moment, c'est sur la lancée des années précédentes, quoi. Ouais. Comment tu fais pour pas vieillir? Je vieillis. Ah bon? Les cheveux gris arrivent. Non, pas tellement, je trouve.
comme toi, non? Ouais, on vieillit pas, je trouve. On vieillit pas? Non. On a de la chance, alors. Ouais. Merci. C'est dans le cœur, je crois. Oui. Alain Chamfort. Aïe, les Monaco descendent-ils d'une lingère de Constantine? Mylène, de l'info ou de l'intox? Sans hésitation, de l'intox. De l'intox. Et toi, David? De l'intox aussi. Ah bon? Ouais, ça me paraît trop gros, non. Toi, je peux le révéler maintenant, tu m'as dit que c'était de l'intox aussi. C'est-à-dire que c'est assez amusant, ma présence ici, née à Constantine, savoir que le sujet, relation avec Constantine, je sais pas. Tu penses qu'on l'a fait exprès? Ben, éventuellement. Bon, on va savoir, on va écouter l'expert. À toi, Philippe. Eh bien, qu'un tonnerre d'applaudissements se fasse entendre jusqu'au rocher de Monaco, c'est de l'info. Ah là là! Eh oui! Mais vous êtes du même pays. C'est pas vrai, alors j'ai des chances alors. Mais t'as toutes tes chances, c'est pour ça qu'on t'a fait ça. Elle est où la caméra? Mais oui, elles sont partout les caméras. Stéphanie, il y a quelque chose à faire tous les deux. On monte un business là-bas. C'est un grand moment. Un grand moment dans la vie de Smaïn. Eh oui. On se met sur le rocher, on vend les frites, allez. Ouais, enfin zéro partout. Alors faut préciser aussi pourquoi la Constantine. On va savoir. Ah, c'est on génial, repart ça. Chez notre expert, Philippe Guérin, on t'écoute. Ben oui Thierry, c'est de l'info et je crois que ça fait pas vraiment plaisir à la principauté de Monaco, on n'aime pas vraiment en parler, c'est totalement tabou. Pourtant, on voit bien les efforts que fait Stéphanie aujourd'hui pour suivre cette filiation de cette lingère de Constantine. Avec tous ces efforts en matière de mode, il y a une ligne de maillot de bain, une ligne de vêtements de cuir, une ligne de petites culottes, une ligne de chaussettes, une ligne de... C'est fort. Hein, c'est bien. Vraiment, c'était inattendu. Alors maintenant, on va passer au Baffy Show. Tu connais Baffy? Oui. Mais tu vas bientôt le connaître parce qu'il est très drôle. Oui. Alors, il a pris un micro, il est allé dans la rue, il a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de toi. Oh là là. Bah, c'est dur de leur faire dire du mal de toi, disons. C'est vrai? Ouais, tu vas voir. Oh, écoutez ça, alors. Smaïn, vous aimez? Oui, c'est quelque chose de moderne en tout cas, ça se passe à nos jours, on ne peut pas vraiment l'ignorer, mais... Écoute, attendez, c'est bien, mais on a trop de bonnes réactions, tout le monde l'aime bien, on a besoin d'avoir un peu l'avis des deux côtés, hein. Donc vous allez dire que vous ne l'aimez pas du tout, comme ça nous, ça nous permet d'équilibrer le sujet. Hein. Mademoiselle, on tourne, mademoiselle, que pensez-vous de Smaïn? J'aime pas trop, quoi. Vous fait rire? Pas vraiment. Je crois que... Non, il essaye, mais il n'arrive pas. Physiquement, vous le trouvez comment? Il n'est pas génial. Et en plus, je crois qu'il fait mal. Il fait très mal son travail. Smaïn, c'est un type très drôle. Je ne l'ai pas vu sur scène, mais ce que j'ai aperçu à la télévision est très bien. Monsieur, on fait un sujet sur lui, mais tout le monde l'aime bien, alors on est un petit peu dans la merde, là. Monsieur, ça tourne. Monsieur, que pensez-vous de Smaïn? Ah, j'aime pas du tout. Il est arrivé trop vite, il a été un peu propulsé. Si vous aviez quelque chose à lui dire en face, ce serait quoi? À lui dire en face C'est un truc hyper désagréable qui retourne chez lui. Monsieur, si vous aviez quelque chose à dire en face à Smaïn, ce serait quoi? Qui retourne chez lui? Bah en fait, à vrai dire, j'aime pas trop en fait. Ouais, il me botte pas tellement, c'est son genre, je trouve ça un peu vulgaire quoi. Bah, en plus, il a une vraie tête de con. Il est horrible, il est lamentable, il est nul, il est grossier, vulgaire, il se moque de tout, il respecte rien, je l'aime pas. Bah, s'il était en face de moi, je crois que je lui cracherais au visage. Bah voilà. Oh, comment ils m'ont cassé ! Tu vois comment sont les gens ? C'est incroyable, incroyable. Voilà des gens qui veulent dire du bien de toi. Il y retourne en 30 secondes et commence à les achètes, les gens. Mais pas du tout. Mais ça s'achète, les gens. Mais pas du tout, il suffit de les convaincre, t'as vu? Mais parce que, non mais comme ça, ils sont sûrs de passer à la télé. Ah ben là, c'est sûr, ils sont achetés à la télé. C'est dommage, parce que la première, elle a l'air sympa. Mais t'as vu, ça a été dur de faire dire du mal de toi. J'en ai rien à foutre qu'elle aille dormir, la petite. Alors vous, si on vous avait demandé votre avis dans la rue sur Smaïn, vous auriez répondu quoi, Mylène? J'aime bien Smaïn, il est amusant. Et si on t'avait dit de dire du mal, tu l'aurais fait? C'est facile, hein, puis c'est tellement gratuit. Tu aurais dit quoi? Mais méchant.
Un peu un but de sa personne. Ah, il a un but de sa personne. Ouais. Et toi, t'aurais dit quoi? Non, moi j'aime bien Spain, ouais. Imagine que l'autre t'es convaincu de dire du mal, t'aurais dit quoi? Je pourrais répondre. Ouais. Il y a une vraie tête de con. Une tête de con. Ouais. Dis-moi, est-ce que t'as regardé Les années algériennes de Benjamin Stora? J'étais à l'avant-première. C'est intéressant, toujours quand même de l'information sur la guerre d'Algérie, puisque moi je suis un enfant de cette aventure. Je trouve que c'est bien de porter un regard sur ce qui s'est passé en arrière. Quoique maintenant, bon, il faut aussi faut agir, il faut voir le demain maintenant. Mmh. On parle de cette nouvelle génération. Et Constantine aussi. Qui? Benjamin Stora. Benjamin Stora, oui, que j'aime beaucoup, ouais. Parce que je crois que c'est un des meilleurs historiens comme en France. Comme Stéphanie et toi, vous êtes tous les trois de Constantine. Comme il y en a beaucoup qui sont de Constantine. Mmh, ouais. Est-ce que, maintenant le temps a un peu passé, est-ce que tu ne penses pas que ça aurait pu s'arranger là-bas? Oui, mais tu sais, je vais te dire un truc. Moi, le problème, c'est que c'est pas moi qui ai fait l'histoire. Mmh. Moi, ce que je peux tirer et crier haut et fort, c'est que tout ça, ça ne me regarde plus. Mmh. Nous sommes les enfants de cette actualité. Donc, moi, je refuse de payer les pots cassés. C'est tout. Donc, maintenant, cette histoire, je pense que maintenant, en ayant parcouru un peu les livres d'histoire, en ayant justement vu ce reportage, c'est trois volets, quatre volets, je crois, on s'aperçoit en fin de compte que ça a été un déchirement pour tout le monde, pour tous les enfants, pour les Algériens qui ont désiré avoir leur propre identité, ce qui est tout à fait légitime. Et puis pour ces pieds noirs qui étaient là-bas un peu comme chez eux, c'est vrai, qui ont grandi là-bas, qui ont vécu sur cette terre algérienne. Et puis il y avait aussi les colons qui en ont peut-être un peu trop profité. Mmh. Et je crois qu'on a tous été bernés par nos envies, bernés par notre... On a été bernés par l'histoire. Mmh. Maintenant l'histoire est écrite, maintenant l'histoire c'est aussi demain, et maintenant faut nous laisser écrire demain. Mmh. Alors enfin, laissez-nous, je parle aux politiques, là, ouais. J'en profite, arrêtez de nous prendre la tête, arrêtez, putain, regardez le ciel comme ça avec les étoiles, et puis laissez-nous vivre, merde, c'est ce que je dis, et je dis profondément. Ouais. Non mais c'est vrai, je veux dire, on en a marre, je veux dire, nous on a envie de vivre, et puis c'est, maintenant serrons-nous les coudes, et puis voyons, l'Europe, c'est quoi? C'est tout, c'est bien maintenant travaillons pour l'Europe, c'est tout. Faut que je me lance à la politique, hein. En parlant d'Europe, tu es au courant de ce qui s'est passé en URSS, tu sais ce qui se passe en URSS, comme quoi l'histoire n'est pas obligatoirement tragique. Et puis tout va vite. Oui. Et tu vois les répercussions que ça a en France. Tu sais que la rue de Leningrad va changer de nom à Paris. C'est là où il y a mes bureaux. Eh bien, tu vas voir. Le 12 juin 1991, les habitants de Leningrad se prononçaient par référendum pour le retour de l'ancien nom de leur cité, Saint-Pétersbourg. Le 6 septembre dernier, leur maire, Anatoly Sobchak, a persuadé le présidium du Parlement de Russie d'entériner la décision de ses concitoyens. À Paris, la rue Leningrad a toujours suivi l'évolution politique de la Russie. Elle s'est appelée dès 1826 rue Saint-Pétersbourg, puis rue de Petrograd en 1914 et enfin rue de Leningrad en 1945. Et il est encore question de la débaptiser. Oui, la rue de Leningrad va très probablement changer de nom parce qu'il serait quand même extraordinaire que... Avec tous les changements qui se passent à l'Est, la ville de Paris aille moins vite que les Russes eux-mêmes. Oui, mais tout le monde n'est pas de cet avis, car il existe déjà une voie Saint-Pétersbourg dans le 16e arrondissement de Paris, la Villa Saint-Pétersbourg. Ses habitants refusent aujourd'hui de renoncer au privilège d'être dans la seule voie de la capitale à porter ce nom. Ils se sont regroupés au sein de l'association des résidents de la Villa Saint-Pétersbourg. Elle existe depuis très longtemps. Elle a été créée après la Révolution russe, dans le but de conserver à notre voie son nom de Saint-Pétersbourg. Et nous y avons réussi grâce à son statut de voie privée. Ici, vous êtes dans le 16e arrondissement, c'est une rue qui est très prisée, beaucoup de Russes blancs cherchent à y habiter. Il y aurait un risque de confusion évident, non seulement au niveau du courrier, mais il y a des gens qui risquent de s'égarer ici. Nous sommes en train, voyez, de faire signer cette pétition. Nous l'adressons à monsieur le maire du 16e arrondissement, monsieur Pétinger, et nous comptons bien à ce que monsieur le maire défende notre cas au prochain conseil municipal. Les membres de l'association ne manquent pas d'arguments et ils préfèrent l'histoire à la politique. La mairie de Paris aura de toutes les façons gain de cause et alors Lénine n'aura même plus de pied-à-terre à Paris. Alors voilà, les habitants de la Villa Saint-Pétersbourg s'opposent-ils au changement de nom de la rue de Leningrad? Info ou intox, Smaïn à l'oreille. Je pense que c'est... Ah bon? Alors pour vous laisser le temps de réfléchir et pour laisser aux gens le temps de jouer chez eux, on va écouter Sydney Youngblood. Le propriétaire de la X-Blood.
blanche immatriculée 892 HK75 et priez de venir déplacer son véhicule qui gêne. Merci. One for playing games. So don't bring me down. Won't you give me a break? Est-ce que les habitants de la Villa Saint-Pétersbourg s'opposent au changement de nom de la rue de Leningrad? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? À ton avis, David? Je pense que c'est de l'info. C'est de l'info? Ouais. Je prends peut-être un risque, mais... Attends, prends peut-être un, oui. Et toi? Moi, c'est de l'info. Ça me paraît crédible. Toi, tu trouves que c'est de l'intox. Pourquoi? Ah, parce que ça, pour eux, peut-être que ça pose un problème pratique, non? Philippe Guérin, on va voir. On écoute l'expert. Ah, il est content, l'expert. Il est content, l'expert. C'est de l'intox. Ah, Smaïn avait trouvé. Bien. Ça fait toujours 0-0. Mais Smaïn avait trouvé. C'est pas con comme mec, quoi. Bah, ouais. Alors pourquoi? Explique-nous, mon petit Philippe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Qu'est-ce que t'es encore à l'inventer là? Eh bien, il n'y a pas de Villa Saint-Pétersbourg, puisque nous avons fait faire spécialement la plaque pour cette émission. Il n'y a pas d'association, pas de pétition. Par contre, le maire du 8e arrondissement, M. Lebel, que vous voyez, que l'on salue bien bas, est un vrai maire. C'est vraiment le maire du 8e, et tout ce qu'il dit est vrai, puisqu'il va bientôt changer le nom de la rue Leningrad. Alors, une question, si on commence à changer toutes les rues qui ont une consonance ou qui rappellent le communisme, comme les rues Karl Marx, cité Yuri Gagarine, la place du colonel Fabien, ça va donner beaucoup de boulot aux chômeurs, hein.
Bon, Smaïn, on va voir les jalons de la semaine. Oh. Basile de Coq. Oh là là, il est marrant ce mec. Il est rigolo, hein. Oh là là. Et toutes les semaines, il passe. Bah, on sait pas encore. Moi, je me suis marré la semaine dernière, c'est la folie. Les jalons de la semaine, Basile de Coq. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis le président de Coq et vous, vous êtes les téléspectateurs. En 120 secondes, voici les nouvelles du monde. Au terme de l'été, le ministère de la Santé communique le bilan des accidents de vacances par catégorie sociale. Classe riche. Accident d'avion privé, 21. Étranglement par pince de homard, 9. Accident de golf, 3. Noyade par emmêlage de cordes en fil de traction de ski nautique, avec décapitation par moteur, 4. Classe pauvre. Explosion de but à gaz dans caravane, 48. Enfoncement de piquets de tente dans la main ou le bras, 35. Absorption de produits de vaisselle en lieu et place de vin rosé par inadvertance, 27. Écrasement des métacarpes par boule de pétanque, 7. Urbanisme. Le maire de Paris, Jacques Chirac, a déclaré, je cite, « Il y a encore trop de particuliers qui habitent dans la capitale et qui gênent par leur présence l'implantation de bureaux. » Incident lors de l'émission « Caractère » de Bernard Rapp. Un auteur oublie de faire l'éloge d'un autre invité. Voilà, en 120 secondes, c'était les nouvelles du monde. Bonne semaine et à samedi prochain. Pas mal, original. Dis-moi, Smaïn, c'est vrai que dans tes premiers boulots, tu as essayé d'être documentaliste à minute ? Bah oui, c'est-à-dire que j'avais 16 ans, je cherchais du boulot, et puis j'ai vu un jour dans le journal une annonce où on cherchait un aide documentaliste, et puis ils ont que c'était à minute. Je me suis pointé. Faut que je sois franc, ils ont été extrêmement sympas avec moi, mais ils m'ont regardé bizarrement, quoi. Alors j'étais donc reçu par le directeur du personnel, il m'a fait comprendre, évidemment, que bon, c'était pas possible et tout, et je suis parti déçu. Et puis 10 ans, 15 ans après, j'ai appris que, hein, d'accord. Et alors, scoop, c'est des scoops. Ouais. Quand j'ai annoncé ça, j'ai écrit un bouquin où je l'ai annoncé, le directeur de Minute m'a écrit. Non, et il m'a même offert, c'est bizarre et contradictoire, et il m'a même offert de la possibilité d'écrire dans le journal Minute. Devine ce que j'ai répondu. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire rire Le Pen ? Je sais pas, je pense que certainement ce bonhomme a dû avoir certainement de l'humour, je pense. Mais bon, je crois que... Tu ferais quoi pour le faire rire ? Tu dirais quoi ? Eh ben écoute, je vais te dire franchement, puisque nous rentrons dans les confidences, un jour j'ai pris l'avion à Nice avec Jean-Marie Le Pen devant moi. Je t'assure, hein, et j'ai eu les mains extrêmement moites, et c'est la première fois de ma vie que j'avais envie que l'avion s'écrase. Mais je pouvais pas, j'étais dedans. Ceci dit, je dis pas ça parce que je suis un homme public, etc. Mais comme ça, pour des bizarreries personnelles, c'est un bonhomme que j'aimerais bien rencontrer. On peut organiser ça, si tu veux. Oui, non mais attends, je voudrais pas que ce soit vraiment officiel, parce que d'abord, c'est des gens qui parlent très très bien, ils ont des termes appropriés, ils savent, c'est aussi de l'intox, puisque tu parles de l'info de l'intox, ils savent aussi intoxiquer, ils savent récupérer, etc. C'est un jeu de comédien aussi, je parle pour tous les hommes politiques. Faut savoir, on hypnotise. Tu disais d'ailleurs que Mitterrand, tu l'aimais bien parce qu'il était meilleur comédien que les autres, finalement. Tu disais que son mensonge était plus sincère. Et puis, je dis pas ça aussi pour la récup, parce que je m'en fiche, je suis pas un homme politique. Ce que j'ai bien aimé dans Mitterrand, surtout, c'est que dès 81, on a pris conscience avec Mitterrand au pouvoir de l'existence des minorités. Quand Valéry Giscard d'Estaing, qui était quand même président de la République, parle d'invasion, tu te prends pour David Vincent, toi ? Mais non, c'est pas un bon... Non, pas du tout. Non. Non, fais voir tes doigts. Non, ça va. J'en ai un autre qui est crochu, mieux crochu que l'autre, mais... Non, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve, et c'est un avis personnel, que... en ce moment, c'est la chasse à la récup. Il va bientôt avoir des élections, ça approche, c'est un jeu politique, c'est sûr. Donc on a besoin de récupérer. Alors l'Aime-Désir te reproche toujours de ne pas être un porte-parole, un porte-drapeau. Il pose des bonnes questions à Le Hardisson, c'est vrai. Bah, je vais te répondre. C'est mon boulot. Mais c'est bien, je vais te répondre, je pense, et extrêmement sincèrement. Si je deviens le porte-drapeau, si je représente les beurs ou les arabes. Tu ne veux France, pas être beurre, tu dis, moi je suis arabe. Je suis arabe et fier de l'être. Je veux dire, si je commence à les représenter, ça voudra dire que ici, ensemble, nous formons un groupe. Et il y a un chef, d'accord. Moi, je refuse. Je veux jouer l'assimilation, je veux jouer et dire haut et fort que les enfants d'immigrés
donc qui se sentent déchirés entre le, c'est ce que je dis, entre le Mistral et le Sirocco, ont le droit à une identité. Cette identité, c'est celle d'un brassage. Et ce brassage, c'est un plus. C'est un plus pour l'histoire de la France. La France est Adjani, c'était Coluche avec des origines italiennes, c'est le juif d'Afrique du Nord. Et c'est ça, c'est, je crois que c'est ça la force de la France. C'est ces différences qui vont dans, un, dans une direction, c'est une nation. Voilà, maintenant, alors le problème du choix du sol, choix du sang, etc., ça m'emmerde ces histoires. Ça m'emmerde. D'abord, je n'y comprends rien du tout. Voilà, alors on est voilà. Dis-moi. Je dis ce que je pense. T'as bien raison. Tu te souviens de la déclaration d'Harlem Désir sur les ascenseurs qu'il fallait réparer? Oui, c'était très, extrêmement intelligent. On va voir un sujet là-dessus. Tu vas me dire si c'est de l'info ou si c'est de l'intox après. Tout à fait. Tout nouveau, ça, parce que c'est ce truc-là. Eh oui, madame, c'est tout nouveau. Voici le premier ascenseur à code pour les locataires et à pièces de 1 franc pour les visiteurs. Nous sommes dans la cité Curie, à Ivry-sur-Seine, banlieue sensible du sud de Paris. Face aux problèmes croissants de délinquance et de dégradation des lieux, le fils de HLM s'est souvenu des anciens conseils de Harlem Désir. Ça sert à rien de hurler Le Pen, Le Pen. Il faut commencer par réparer l'ascenseur. Et il faut comprendre que si le Front National progresse, c'est simplement parce qu'il prospère sur les insuffisances de la société française. Eh bien justement, pour pallier ces insuffisances, l'office de HLM d'Ivry fait directement appel aux locataires en leur demandant 40 francs par mois pour le code, et cela en échange d'un matériel fiable. Pour les digicodes, nous avons pris l'initiative à les installer. Par contre, pour les monnayeurs, c'est les gens de la cité qui ont décidé de faire payer les visiteurs afin d'améliorer l'environnement de la cité. Et ça a été fait en deux fois, il y a eu deux votes différents et la plupart du monde était d'accord. C'est cher, mais ça vaut le coup, et étant donné que c'est beaucoup mieux entretenu. Bon, on trouvera l'ascenseur plus propre. Et moi, j'habite au 10e étage, c'est quand même plus rassurant aussi. Moi, j'habite au premier, donc de toute façon, le problème est réglé. J'ai pas pillé l'ascenseur. Enfin, j'habite pas ici, mais bon, visiblement, c'est inadmissible, ça. Nous sommes quand même un certain nombre de personnes qui luttons pour que ce genre de choses n'existe pas. Et oui, le système est à peine installé depuis 3 semaines et il a déjà ses détracteurs qui ne veulent pas désarmer. Une pétition sera bientôt adressée au maire. En attendant, la nouveauté a fait au moins une heureuse. Disons que l'avantage, c'est qu'avec l'argent qu'on va ramasser avec ce digicode, on va pouvoir payer, l'office pourra payer une personne supplémentaire pour s'occuper uniquement de l'escalier et de l'ascenseur principalement. Une expérience pilote qui sera peut-être bientôt suivie par d'autres offices de HLM. Alors voilà, des ascenseurs à pièces bientôt installés dans les cités. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox, Maïn, à l'oreille. C'est compliqué, hein. Ouais, mais il faut me répondre à l'oreille. Oui, très bien. Alors, bah, pour vous laisser le temps de réfléchir et pour laisser aux gens le temps de jouer chez eux, on va écouter Sapho. Au charivari de la vie, tu foiries. Dieu merci, Paris pourri, tu t'es raté à rire. Quel prix, personne n'a ri. Et à Moscou, où on t'a mis, on t'a serti. Et recousu mon bris, samouraï. Quelle folie, mon tigrari, tu t'es raté, merci. Oh, hasard endormi. T'étais comme un indien, Harry, comme un cowboy aussi. T'aimais pas ta policie aussi. Aussi tu l'as coupé Harry, personne n'a ri.
pouvoirie. Dieu merci, kamikaze, tu t'es raté à rire. Quel bide, personne n'en rit. T'étais comme un indien Harry, comme un cowboy aussi. T'aimais pas ta policier aussi. Tu t'es fait un sourire très rouge sur le nombril. Un petit vide comme un suicide. Tu foiré. Élysée, toute une nuit, on m'a pleuré à rire. Quel prix, personne n'a ri. De quoi meurt-on à rire, d'oublier les choses de la vie, qui donne de l'appétit mais qui personne n'a ri, personne n'a ri. Bonsoir. Ça va? Ça va, c'est un piège, une espèce de... Faut être grand, quoi. Ouais, une fois qu'on est dessus, on est pareil. C'est ça. Dis-moi, alors, tu es la cigale, à partir du 3 octobre jusqu'au 8. Et ça s'appelle la traversée du désir. Et en plus, tu poses la poêle sur l'affiche. T'as vachement changé quand même, non? Mais non, c'est pas. J'ai pas changé. Justement, je suis la même, non, c'est pas ça. C'est que je me demandais ce que j'allais mettre. Et je voyais vraiment pas quoi mettre cette fois-là. T'as mis tes cheveux, quoi. Et je me suis dit, oui, mettons mes cheveux. Ouais, c'est très sexy. C'est sensuel, plus que ce. C'est depuis que t'es tombée dans une fosse d'orchestre que tu as décidé de te marier? Voilà, enfin, depuis que je suis tombée dans une fosse d'orchestre, je me suis dit qu'il fallait aller à l'essentiel. Alors, ouais. L'essentiel, c'est ça. Hein. C'est d'être nu. C'est d'être nu avec un homme. Ouais. C'est surtout ça. Ça fait du bien, alors. Bah. Dis-moi, toi qui n'as pas hésité en 89 à aller embrasser Yasser Arafat, ce qui t'a dit qu'il y avait eu pas mal de problèmes dans la communauté, quel regard tu poses aujourd'hui sur tout ça après cet essai de paix qui n'a pas l'air de vraiment fonctionner? Je trouve que vraiment, ces gens-là, ils n'apprennent rien. Quoi. Mmh. C'est un peu triste de voir que ça... Que je sais pas, qu'ils ne tirent pas de leçons de l'histoire, que ça continue de merdouiller. On ne sait pas exactement tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se tracte, tout ce qui renaude et tout ce qui pue. Ouais. T'es toujours mariée avec ton importateur de mezcal? Non, je suis partie. Je suis quelqu'un de très instable. Tu l'as quitté? Oh mon Dieu, story. Non, mais je sais pas, mais la dernière fois que je t'ai vu. C'est une question très indiscrète. Mais non, mais la dernière fois que je t'ai vu, on en a parlé, tu étais toute contente, tu t'étais mariée avec un importateur de mezcal. Et vous étiez mariée en rentrant, en reculant dans l'église d'ailleurs. C'est ça. Ouais. C'était peut-être ça, prémonitoire. Non, je crois que l'idée d'être mariée me terrorise. L'idée d'un projet comme ça à long terme, qu'on déciderait, me fait très peur. Je pense que les choses doivent arriver comme ça par hasard. Et puis, on doit constater qu'on est resté ensemble. Quoi. Voilà. T'es toute seule là? Oui, quasiment pour l'instant. Bon, bah, vie aux amateurs là. C'était Sappho. Alors, des ascenseurs à pièces bientôt installés dans les cités. Mylène, je t'écoute. De l'intox. De l'intox? Ah bon? Oui, ça me paraît trop invraisemblable. Trop invraisemblable. Et toi, David? J'ai changé un peu, j'ai dit de l'info, déjà. Dis de l'info? Ouais. Toi, tu m'as dit que c'était... Moi, je dis que c'est de l'info. Ouais. Parce que je considère que le reportage fait extrêmement prototype. Ouais. On teste. Ouais. Philippe, alors, c'est de l'info ou c'est de l'intox? Non, mais Smaïn, pourquoi pas des péages pour vider tes poubelles aussi pendant qu'on y est? C'est de l'intox, complètement de l'intox. On applaudit, Mylène. Tu marques un point. Alors, Philippe, t'as un commentaire à faire là-dessus? Mais remarquez, c'est pas tout à fait impensable, parce qu'après tout... Alors, va dormir, t'as vu? On paye bien un franc pour aller pisser dans les cafés, on achète bien un ticket pour aller accompagner sa belle-mère sur le quai d'une gare, ou pire encore, il y a même des gens qui payent la redevance pour regarder des niais comme moi en train de raconter des conneries. Merci, Philippe. Alors maintenant, on va passer au magazine du faux.
En magazine du faux, chaque semaine, on raconte une arnaque célèbre. Cette semaine, c'est l'histoire d'un mec qui est parti faire le tour du monde en voilier et qui n'a jamais quitté l'Atlantique. C'est l'histoire de la plus grande supercherie du monde des courses de voiliers. L'histoire d'un brave Anglais, père de famille, Donald Crover, qui ne rêvait que d'exploits et de célébrité. C'est aussi l'histoire de sa femme, Claire, qui le 31 octobre 1968 regardait son mari quitter le petit port de Tegmouth, au sud de l'Angleterre. À ses côtés, ses quatre enfants, très fiers de leur père. C'est enfin l'histoire d'un bateau, plutôt d'un rafio, aussi laborieusement construit qu'il devait être baptisé. Un bateau qui ne verrait que l'Atlantique, alors qu'il devait participer à la course autour du monde. Donald Crover avait tout prévu pour ce voyage, même une caméra sonore que lui avait prêtée, sans trop y croire, la BBC. Avec elle, il enregistrera seul le film fiction de son tour du monde. Le 15 novembre, il est au large du Portugal. Le jour de Noël, il aborde le Brésil. Le 19 janvier 69, il annonce qu'il arrive enfin dans l'océan Indien alors qu'il est toujours au milieu de l'Atlantique. Pourtant, le 6 mars, il s'arrête quelques jours dans le petit port argentin de Rio Salado. Dans le film qu'il tourne, tout va bien. Par contre, dans son journal de bord, il raconte son mensonge qui commence à devenir énorme. Le 29 mars 1969, il passe près des îles Malouines, puis soudain, 10 semaines de silence radio pour réapparaître après son prétendu passage du Cap Horn. Il peut maintenant foncer vers l'Angleterre, où il doit être accueilli en héros. Il apprend même qu'il est en tête de la course, mais son moral est au plus bas. Il est pris d'énormes remords. Tout un pays l'attend. Sa femme, pleine de fierté, ses enfants aussi, et surtout sa honte. Est-ce la peur de passer pour un raté aux yeux du monde qui le pousse au matin du 28 juin à écrire ces mots ? Je suis ce que je suis et je comprends la nature de mon offense. Il tourne quelques images bâclées sur sa caméra, puis écrit encore ces mots. C'est fini, quelle pitié. À 11h20, il plonge dans la mer. On n'a jamais retrouvé son corps. Depuis, les voiliers possèdent tous une balise Argos. Ils ne peuvent plus tricher. Tu vois ? Alors tu me disais pendant la projection du magazine du Faux que ça avait inspiré un film. Lequel ? Le 40e rugissant. Bravo ! C'est exactement ça ! Bravo, Smaïl ! Un film de Christian Challonge. Bravo. Alors justement, tu l'as vu à la télé ou au cinéma ? Je l'ai vu au cinéma. Ah bon ? Ouais. Parce que tes premières émotions artistiques, c'était... C'est un film avec Jacques Perrin. Ouais. Tes premières émotions artistiques, c'était quand même la télévision, non ? Bon, on est tous nés avec la télévision. Ouais. Bon, c'est pour ça que maintenant, on peut dire qu'on est un peu déçus. Moi, je suis extrêmement Ivan déçu. Ivan Noé, Thierry Lafronde... Tout. J'ai tout regardé. Les Carpentiers. Les Carpentiers. C'est comme ça que tu as appris boulot. Bah oui, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Et puis j'avais envie de voir dans ce petit hublot, puisque les autres y passaient, j'avais envie aussi d'y passer. Quoi. En parlant de Sacrée Soirée, tu as dit Soirée Sacrin, Jean-Pierre Focu. T'aimes pas Sacrée Soirée ? Non, j'aime pas Sacrée Soirée. Ouais. Il le sait, puisque je lui ai dit, j'aime pas, parce que je trouve que ce qui est regrettable, c'est d'acheter les gens. Tu les achètes, les gens, en faisant la télé. C'est comme si aujourd'hui, là, dans cette émission de télé, tu disais... Allez jusqu'au bout de cette émission, puisque à la fin de cette émission, vous allez pouvoir gagner une voiture, vous allez pouvoir gagner un voyage à l'autre bout du monde, etc. Tu putifies la télévision. Et je trouve ça regrettable. Alors qu'avant, une trentaine d'années, quand tu regardais la télévision, tu regardais avec plaisir la télévision. Tu regardais le feuilleton toujours à 19h45. Ouais. Tu regardais parce que tu avais envie. Tu avais envie de t'instruire aussi avec plein avec de magazines. Avec la caméra Explore le temps, avec les bonnes adresses du passé. Tout à fait. Ça. Je vois qu'on génial. Est la même génération. Ah, on avait les mêmes. Avec le théâtre de la jeunesse, de Claude Santelli. Tu vois, je veux dire. Et je trouve que maintenant, c'est regrettable parce que maintenant, tu achètes. Alors maintenant, on se retrouve facilement devant une télé qui est totalement inégale. Alors à part Jean-Pierre Foucault, il y a deux Chavannes. Si tu n'aimes pas tellement, hein. Tu as dit je vais pas chez. Il m'invite pas parce qu'il a peur que je le casse. Bah, pour moi, De Chavannes, il sait très bien que j'ai pas vraiment une grande amitié pour lui. Je veux dire, je trouve que c'est du sous-coluche. Mais bon, tu sais, c'est un peu aussi comme le phénomène Bruel. Ouais. Il y a des gens qui sont dupes et puis il y a des gens qui ne le sont pas. Toi, t'es pas dupe de Bruel ? Je ne suis pas dupe de rien. Surtout quand on fait ce métier, et je parle aussi à un connaisseur, je sais que toi aussi tu n'es dupe de rien. Alors maintenant, il faut laisser les gens rêver, faut pas trop révéler, mais il arrive un moment où l'excès t'irrite. Hésitrone. Bah, c'est un monsieur qui a fait les grandes heures de la télévision. C'est un très très grand journaliste. Il faut dire qu'avec Pierre Sabag, avec tous les gens qui ont entouré la télé dès 59, ça a été des pointures de la télévision. Bon, moi je ne l'ai pas rencontré, mais je sais que c'est un mec qui est extrêmement désagréable. Comme quoi, souvent le succès, ça te permet aussi de te prendre. Tu te souviens de la pub qu'il avait fait pour le changement de numérotation téléphonique ? Je me rappelle, le 4. Hein. Bah, il va bien peut-être falloir qu'il reprenne du service, le père Pourquoi ? Léon. Tu vas voir.
Rappelez-vous, c'était en 1985, le 25 octobre à 23h. Louis Mexando, alors ministre des PTT, appuie sur le bouton rouge. En une fraction de seconde, le réseau téléphonique bascule. 23 millions d'abonnés changent de numéro. Il fallait 6 ou 7 chiffres pour joindre son correspondant, il en faut désormais 8. Si l'opération fut un succès technologique indiscutable, le système, lui, ne semble pas satisfaire les abonnés. La campagne d'information de 1985 était simpliste et insuffisante. Les chiffres sont éloquents. Le taux d'erreur pour les communications Province-Paris et Paris-Province n'est pas descendu en dessous de 17%. D'autre part, la Commission européenne de Bruxelles demande aujourd'hui une harmonisation des différents systèmes. L'échec est donc double. La France est prête à faire machine arrière, mais l'Europe peut-elle s'entendre autour d'un numéro à 7 chiffres? Les besoins vont être de 10 milliards de lignes, c'est-à-dire 100 fois plus qu'en 1985. Techniquement, il est impossible de revenir à une numérotation qui ne comporterait que 7 chiffres. Le Portugal se contente de 5 ou 6 chiffres, l'Espagne en préfère 7. Certaines villes belges ont l'indicatif à 4 chiffres et la seule ville de Londres en compte 2 différents. Bref, c'est l'anarchie. Notre commission a suggéré à France Télécom et à ses homologues européens de normaliser leurs différents systèmes et de mettre en place une nouvelle numérotation qui soit simple d'usage pour les abonnés et plus performante. Un projet sera présenté fin 92 devant le Parlement européen. Les Français proposent de revenir au numéro à 7 chiffres pour s'aligner sur la norme américaine. Ce nouveau numéro sera constitué d'un indicatif de région composé de 3 chiffres, suivi d'un module de 7 chiffres. Ce module de 7 chiffres, c'est votre ancien numéro de téléphone si vous habitez en région parisienne, l'ancien numéro précédé du 0 si vous habitez en province. Pour les communications à l'intérieur d'une région, vous composez le module de 7 chiffres, vous rajoutez l'indicatif de région pour les communications interrégionales. Ainsi, pour appeler antenne 2 de la région parisienne, vous composez le 421-42-42 et de la province d'Espagne ou d'Allemagne d'ailleurs, vous rajoutez le 214. Conséquence, suppression du 16, suppression du 19. La décision de cette nouvelle numérotation ne sera officielle que l'année prochaine. 23 000 entreprises devront donc une nouvelle fois modifier leurs standards à leurs frais. Mais d'ores et déjà, leur patron s'inquiète. C'est changer la facturation, les factures, les bons de livraison, les enseignes sur les camions. Et surtout pour nous, pour les clients qui peuvent se tromper de numéro ou de nous perdre quoi, en définitive. Il en coûtera pour une PME qui modifie sa publicité, son imprimerie et sa bureautique de 100 000 à 150 000 francs. Espérons que le numéro des renseignements, lui, ne changera pas. Bien voilà, est-ce que le retour du numéro à 7 chiffres est réellement envisagé? Info ou intox, Smain à l'oreille. Ouais. Bon ben vous allez réfléchir. Vous avez une idée déjà, non? Oui, une petite. Une petite idée, toi ouais. Aussi? Bon ben pendant que vous réfléchissez, que les gens jouent chez eux, on va écouter Paul Young. Non. Ouais. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, now, when the world comes in, they come, to build a wall between us. But you know they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. They
drum and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the room. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream it's over. It's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us, but you know they. Maintenant, David, c'est à toi de jouer. Alors, le retour du numéro à 7 chiffres est-il envisagé? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? C'est très dur. Très, très dur. Ouais, je vais te dire... Oh, de l'intox. Tu dis que c'est de l'intox? Et toi, Mylène? Moi, de l'intox aussi. Donc, Et toi, t'avais dit ça aussi. De l'intox, oui. Mon petit Philippe, à toi de jouer. Merci David, merci Mylène de dire que c'est très dur, d'autant plus que vous avez trouvé, c'est de l'intox. Merci Philippe. Alors ça fait 2-1 pour Mylène, bravo. Je crois que tu as gagné la partie là. Tu as des commentaires à faire Philippe avant qu'on lui donne son magnifique cadeau? Oui, j'ai des commentaires à faire Thierry. Je dois vous dire que quand on est arrivé chez France Télécom pour leur dire qu'on allait faire une petite histoire drôle, ils ont été très gentils au départ, puis tout d'un coup on leur a raconté notre histoire, et là toutes les portes se sont fermées. Et on a appris par la suite qu'en fait c'était faux aujourd'hui, mais ça pourrait peut-être bien devenir vrai demain. Ça, dis-toi, on a retrouvé du boulot alors. C'était bien la peine, dis-toi, on a retrouvé du boulot. Bon Mylène, tu as donc gagné. T'es contente? Ravi. T'es déçu? Bon, non. Tu t'es bien comporté, toi, Smaïn, je trouve. De quoi? Au jeu. Ah bah c'est bien, ouais, j'assure, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a gagné? Eh ben justement, tu vas prendre ton téléviseur et parmi tous les cadeaux qui défilent, tu vas me dire celui que tu veux. Ah, on gagne quelque chose, quand même. Ah, ben quand même. Alors, tu prends quoi? Le lecteur. Le lecteur 10 vidéo Philips, par l'NTC, qui lit tous les disques laser. T'es contente? Ravie. Audio-vidéo. Bravo, Mylène. Bravo. T'es pas sorti de l'auberge, Maïn. Ah, c'est pas fini pour moi. Et pas du tout. Je reste alors. Tu sais ce qu'il y a maintenant? Non, vas-y. Interview confession. Je vais tout dire là. T'es déjà rentré dans un confessionnal? Non, jamais. Eh ben, tu vas voir. Allez, allez, suis-moi. Maïn, tu ne sais pas si tu es le fils d'un arabe, d'un juif ou d'un militaire français. Si tu pouvais choisir, tu choisirais quoi? Ben justement, ce qui est extraordinaire, c'est justement que je n'ai pas à choisir. Maintenant, juif, arabe, catholique, et je peux aujourd'hui affirmer que quand un catholique est con, il est con. Quand un juif est con, il est con. Et quand un arabe est con, il est con. Imagine qu'un jour, il y ait une nouvelle guerre entre la France et l'Algérie. Tu serais de quel côté? Je me situerais du côté de la raison. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as le plus détesté un Français de France, les Français de France? Moi, je dis toujours devant les copains que je rencontre, devant les potes qui me disent « Ouais, mais les Français sont racistes ». Je pense que la France n'est pas essentiellement raciste. Et c'est pour ça que je reproche à l'information de banaliser et de généraliser. Je veux dire, il ne faut pas généraliser, il faut se dire que la France, elle est la France des différences, elle est dans les différences d'opinion, elle est dans les différences d'avis, et on vit, et la démocratie, c'est ça. Je veux dire, moi, Le Pen, il existe, il est là, il doit vivre, justement, il doit exister dans la mesure où on fait partie du jeu démocratique. Je crois que la qualité de la France, justement, comme la qualité de l'Amérique, c'est justement d'avoir ce brassage de différence, ce brassage d'identité qui fait vraiment la force d'un pays.
Le couscous, c'est très très bon le couscous. Et vous, vous n'hésitez pas à venir manger dans les restaurants manger du couscous, parce que tout le monde dit c'est bon le couscous. Mais le couscous, c'est arabe. Le couscous, c'est de chez nous. Imagine qu'un jour tu ailles dans une petite ville ou un village où les gens ne savent pas que tu es Ismaïl et que quelqu'un te traite de sale arabe. Tu lui réponds quoi? J'éclate de rire. Toi qui as été choisi par une bonne sœur, sœur Cécile, au milieu de tous les orphelins de Saint-Vincent-de-Paul à Constantine, et qui a pu, parce que tu as été adopté par des Kabyles vivant en France, avoir la vie que tu as, est-ce que tu n'y vois pas derrière, tu dis l'étoile, mais pourquoi ne pas y voir Dieu directement? Pourquoi encore se cacher derrière ce mot? Est-ce que tu ne crois pas, pour finir, que tu as peur de croire en Dieu? Non, puisque j'y crois. De l'inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous ont